Voici l'histoire du prince Vlad III, plus connu sous le nom de Dracula. Vlad III est né en 1431 dans la ville fortifiée de Tchigi-Choara. Cette cité féodale se trouve au cœur de la Transylvanie. Elle a été édifiée après la terrifiante invasion tatare de 1241-1242. Voici la maison où est né Vlad III. Dans un salon, on peut voir des fresques du XVe siècle. On y reconnaît son père, Vlad II Dracule, ce qui veut dire Vlad II le dragon. C'est de là que vient le surnom de Vlad III, Draculea, le petit dragon. En 1442, pour garantir le traité de paix avec les Turcs, le jeune prince Vlad III, qui a 11 ans, est envoyé en otage à Andrinople chez le sultan Mourad II. Là-bas, il va découvrir le supplice du pal, très en vogue dans l'Empire ottoman. 5 ans plus tard, en novembre 1447, Vlad II Dracule est assassiné par les nobles et les marchands saxons dans les marais de Balteni. En 1448, Vlad III a 17 ans. Il est enfin libéré par le sultan et il revient en Transylvanie, bien décidé à venger son père et son frère, qui est mort torturé à Tarkovice. En 1453, le sultan Mehmed II entre dans Constantinople. C'est la chute de l'Empire byzantin. Johann Corvin, le régent de Hongrie, confie au prince Vlad III une armée pour défendre le sud des Carpates contre les Turcs. Mais Vlad III en profite pour prendre le trône de Valachie en tuant au combat le prince Vladislav II. Vlad III décide ensuite d'éliminer tous les nobles qui pouvaient le gêner. Le dimanche de Pâques 1457, il arrête toutes les familles nobles qu'il avait conviées à une grande fête à sa cour. Il en tue quelques-uns en les empalant et traite les autres en esclaves en les obligeant à construire une forteresse sur les ruines d'un ancien avant-poste. C'est la forteresse escarpée de Poenari qui domine la rivière Argès sur le flanc sud des Carpates. Le chantier durera des mois et beaucoup de nobles mourront. Il va ensuite empaler des centaines de milliers d'hommes, et en particulier les marchands saxons de Barsof et de Sibiu, et aussi les prisonniers turcs. Vlad III devient alors Vlad Tchepech, ce qui veut dire Vlad l'empaleur. Les marchands font circuler dans tout le pays des vignettes qui représentent Vlad Tchepech en train de les saigner. Voici des édits signés par Vlad Tchepech qui datent de cette époque. En 1462, Vlad Tchepech se sent plus fort et décide de briser son alliance avec les Turcs. Quand des émissaires se présentent pour percevoir le tribut du sultan, Mehmed II, Vlad Tchepech leur ordonne de se découvrir pour le saluer. Devant leur refus, il fait clouer leur turban sur leur crâne et renvoie leur cadavre à leur maître. Mehmed II, furieux, envoie alors son armée et poursuit Vlad Tchepech jusqu'à la forteresse de Poenari. Le siège est terrible. La femme de Vlad Tchepech, son amour adoré, voulut s'échapper et fit une chute mortelle du haut de la falaise dans l'Argès. Vlad Tchepech, fou de douleur, réussit cependant à s'évader du siège de Poenari et retourne en Transylvanie pour rencontrer le roi de Hongrie, Matthias Corvin, qui est le fils de Johann Corvin. Mais à cause de ses excès, celui-ci ne lui fait pas confiance et il le maintient prisonnier au château Corvin pendant 12 ans. En 1476, Vlad Tchepech est reconnu à nouveau comme prince de Valachie, car le pays a besoin de ce guerrier sanguinaire pour défendre les frontières sud contre les Turcs.
mais il meurt décapité au combat à Bucarest contre les Ottomans en décembre 1476. En 1897, l'écrivain irlandais Bram Stoker publie le roman Dracula. Il raconte l'histoire d'un vampire assoiffé de sang qui vit dans un château des Carpates. Ce château, c'est le château de Bran, qui se trouve dans le comté de Brasov, sur le flanc nord des Carpates. Le Dracula de Bram Stoker est directement inspiré de Vlad Tchepech Draculea, car il était représenté sur les vignettes des marchands saxons mangeant de la chair humaine. Mais le personnage littéraire est aussi issu des Strigoi, ces démons immortels de la mythologie roumaine qui sortent la nuit des tombes pour venir boire le sang des vivants. L'ombre de Vlad Tchepech a traversé les siècles et plane sur nous encore aujourd'hui.